En fait, moi j'aime trop, il a trop de gestu, tout ça et tout. C'est un ouf. C'est lui le chef de la gestu. T'as arrêté de parler de Pop Smoke, frère. Tu vois, celui-là, il dit fuck Biggie, tout ça là. Là, il était vénère celui-là. Faut que moi aussi je fasse un feat et j'insulte tous les rappeurs. Comment ça a commencé? J'étais au lycée, les potes ils faisaient un freestyle. Et j'ai les gars, j'ai envie de faire du rap. Ils ont dit t'es éclaté. On a pris une séance, le lendemain il est parti au studio. J'ai fait mon premier morceau et il était éclaté. Mais annoncé, il était bien. Ça les a mis d'accord de fou carrément. Le mec du studio il a dit fais deux solos. Tu reviens s'ils sont bons. Bam, tu reviens au studio, fais ce que tu veux. Il a kiffé après, voilà, c'est parti comme ça. Ma première grosse frayeur. Et un jour, la tête d'homme, sort de boîte, tout ça et tout. Pour la route, tout le monde était fatigué. Et nous, on a fait quoi? On a fait l'erreur d'aller prendre des croissants chauds. C'est-à-dire, quand tu manges, après, t'es encore plus KO, t'as capté? On a mis le chauffage à fond dans la voiture. Tout le monde s'est endormi. Tu connais, moi, j'étais côté passe, copilote. Normalement, copilote, il dort pas. Voilà, je me suis endormi. La tête d'homme, on a fait un pet. Le pet, il était incroyable. Eh, bon, là, je me suis fait mourir. Après, on s'est garé sur le côté. La tête d'homme, j'étais que comme ça, wesh. J'étais choqué. Mais c'était cool. Premier concert. Je sais plus si je t'ai invité ou chanteur. Je crois que c'était à Grigny, hein, mon premier concert. Hein. Ouais, j'étais avec la mafia spartiate. C'était lourd, hein. C'est trop bien. Mais moi, je faisais que des bails comme ça derrière. Ma première bagarre. Ah ouais, vous bouscapez, vous êtes violent, wesh. Et on avait éclaté un mec avec mon ref. Après, tout le monde est rentré dedans, wesh. Je crois qu'on jouait au foot, tout ça et tout. Après, le mec, il parlait trop mal. Mon ref, trop têtu. Il arrive devant le mec. Ouais, toi, arrête de faire le malin, nanana. Le mec aussi, trop têtu. Comment ça? Bam, c'est parti. Moi, gros bâtard, j'arrive derrière. Patate. Après, ça y est, on l'a éclaté. Rentrer ensemble chez lui. Mais c'est pas bien. Mais c'était trop bien. Parce qu'il avait trop fait le malin. Comment ça? Mais bon, tranquille. On le connaît plus aujourd'hui, je sais plus d'habitude. Bah c'était à rentrer dans le cercle en vrai. C'est là-bas, on s'est pété, ça dit quoi mon gars, bien tranquille, tout tac, lourd, hein, tout aussi lourd. Alors là, ça s'est fait comme ça, Iggy. D'abord, c'était, tu vois, ça se check, tout ça et tout, bien, tu vois. C'est un bon humain. Après, pour l'album, je lui ai envoyé un message. Ça dit quoi mon gars, t'es chaud? Il a dit ouais, direct, on a fait le bail. Je crois que j'avais 4 ans, j'ai coupé mes sourcils, frère. Voilà, j'ai coupé mes sourcils. J'ai pris l'âme, j'ai coupé, ma daronne d'aller rentrer. Elle m'a vu en sang comme ça, elle m'a tabassé. Même pas m'a essuyé, elle m'a tabassé après elle m'a essuyé. Et j'ai coupé mes sourcils, ouais, ça là j'en ai plus trop là. Le premier clip, je crois, il s'appelle comment déjà? Agressif Musique. Un clip à 50 euros, frère. C'était trop bien. J'avais trop la haine dans le clip. Ma tête était toujours vénère comme ça dans le clip, wesh. Je crois qu'il est sur YouTube encore, hein. Tête de ouais. Non, c'était lourd. Mais t'es un fou, y'a pas de râteau, frère. Moi je drague pas, moi déjà. On me drague. T'as capté? C'est-à-dire, c'est moi, je mets les râteaux. Moi, on met pas de râteaux. C'est moi, je mets les râteaux. Chacal. Mon premier feat, bah, c'était mon premier son. La première fois que je vais au studio, c'est la première fois que je fais un feat. C'était avec, il y avait qui? Il y avait Kixo, Fran, des Blacks, je crois. Et voilà, je sais plus c'était qui le cinquième. On était trop dans le son, wesh. Et je vais pas donner le titre. Parce que tu vas pas trouver. Je vais pas le donner, c'est mort. En mode quoi? En mode eh, c'est toi Bolé? Eh toi, c'est toi qui as fait le mal avec nous? Ou en mode ah c'est toi Bolé? Viens on fait une photo. Bolé moins de rappeur. En vrai ça date, je sais même plus. Non franchement ouais, au début j'ai dit ah ouais tout ça, c'est comme ça, ça va être comme ça. J'étais en mode ah c'est chaud ça. Ah maintenant je suis habitué, c'est tranquille tu vois. Même des fois je peux parler avec quelqu'un 30 minutes comme ça, comme si on se connaissait depuis. Et la personne au bout d'un moment elle se dit mais toi t'es ouf, tu parles comme ça avec moi, comme si on se connaissait. Je dis bah c'est toi tu parles avec moi. Viens on parle frère. Premier mensonge, ouais, je mens tous les jours, frère. Ouais, moi, je mens de ouf, moi, je sais même pas là. Je crois, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je crois, j'ai menti, frère. Ça se trouve que même là, je mens, là, t'as capté? Je mens tout le temps. C'est comme ça. Non, moi, je suis tranquille, mon frère. Et moi, je suis un gros radin de bâtard, moi, la tête d'homme. Ah, je suis un gros radin, frère. En vrai, je crois, c'était 1000, hein. 1005, hein, t'es une doudoune. Bah, il était trop énervé. À chaque fois, je la mets là. Eh, tu l'as acheté où? Eh, chut. Elle est trop énervée, wesh. T'as vu, moi, je suis tranquille. 1000, c'est pas beaucoup. Je suis pas dans les 4000, tout ça et tout. Non. Première fois que j'écoutais du Tupac, j'étais petit en vrai. C'était cool, hein, mais tu connais, je comprenais pas trop. C'est plus tard que j'ai kiffé. En fait, moi j'aime trop, il a trop de gestu, tout ça et tout. C'est un ouf. C'est lui le chef de la gestu. Après, il y a l'autre aussi là. Method Man, tout ça, ils sont trop forts, ces bâtards. C'est eux les chefs de la gestu. T'as arrêté de parler de Pop Smoke, frère. Tu vois, celui-là, il dit fuck Biggie, tout ça là. Là, il était vénère celui-là. Faut que moi aussi je fasse un feat et j'insulte tous les rappeurs. Non, je rigole. C'est des bons. Je fais pas des caprices. Non, non. Je fais des caprices de ça. Je suis en retard. Ça, c'est pas caprice, ça, retard. Tous ceux avec qui je bosse, tu peux leur demander, c'est Sten. Hein. Zéro caprice. Première rencontre avec Dinos, c'était en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est mineur. Hein. C'était lourd en plus. Hein. Il a fait des bons sons. On était beaucoup. Il y avait tout le monde là-bas.
Ma mère, elle aime pas les cadeaux déjà. Lui donner de l'argent, elle aime pas, tu vois. Elle, elle préfère quand on lui ramène des trucs. Le cadeau, en gros, c'est quoi? Je lui ai ramené le single d'or de Chic et le platine de Dika. Je lui ai donné ça avec son nom gravé. Elle a pété les points, après elle a accroché ça direct, toute seule. Elle a pris la visseuse comme ça. Pah! Je veux pas d'aide, c'est moi, je fais les bails, t'as capté? C'était Boleman pour l'interview première fois.